Et yo Mina, c'est Dridri. Et on se retrouve pour la suite de South Park, l'anal du destin. Alors, attendez, fiche de perso, donc ça. Ok, les alliés. Donc les alliés qu'on a. Alliés inconnus. Ok, invocation on n'a pas. Et l'épée, on n'en a pas de nouveau. Ok. Inventaire, donc ça, ok. Et en costume, on n'en a pas eu de nouveau. On est resté toujours sur la même chose. Donc, on peut maintenant avancer et continuer un petit peu plus loin. Flacon. Flacon de pisser. Boîte de viande mystérieuse congée, des nouilles. Ok. Bon, ça va. Là, y a rien à casser. Les poubelles. Allons-y. Bon. Ok, on peut pas faire tomber ça. Donc, il est là-bas. On va aller donc là-bas. On ira un peu plus loin plus tard. Oh, on peut chier ici. Toilette portative. Pourquoi le joystick droit ne veut pas... Ah, ne voulait pas. Ok. Ah. Un petit peu chiant, parce que oui, c'est vrai que ça modifie un petit peu, donc c'est casse-couille. Mais voilà. Un tuyau en cuivre. Vous êtes en attraction. Éloignez-vous de la bœuf. Attention, vous avez 5 secondes pour obéir. Ok, c'est bon, j'ai compris. Tu te rappelles les Wonder Twins? Je me rappelle, et leur singe de l'espace domestique Glick. Ouais, tu te souviens? Tu te souviens de ça? Tu te rappelles quand Wonder Woman avait un avion invisible? Ah oh, ouais, je me... Voilà le raisin, le nouveau. Le moustique doit être à l'intérieur. Entre, mais évite de succomber à leurs ailes de poulet et aux filles canons. T'inquiète. Je devrais te flanquer. Barre-toi de mon... Fais gaffe, le gnome. Tu veux que je te baffe, cougnasse? Allez, on va au raisin, tranquillement. Bienvenue au Reza, juste une personne? Allez, viens avec moi, mon cœur. Par ici, trésor. Ah, désolé, je ne suis que les super-héros élémentalistes. Par ici, trésor. Désolé, je fais que dans les super-héros brutalistes. Trop contente! J'ai bien acheté des bottes fourrées trop mignonnes parce que j'ai tout le temps froid aux pieds. Des pieds au fond. Une de nos filles va venir s'occuper de toi. Ok. Il est vraiment mignon, non? Et il ne manque pas d'appétit. Ouais, je me suis envolé dans les airs et j'ai massacré tous les méchants. Ah, je ne savais pas que les moustiques étaient si costauds. T'as déjà entendu parler du virus Zika? Une autre portion d'aile de poulet, trésor? Ouais, mais ça sur ma note. Quelle générosité! Hé, hey, casse-toi, c'est mes meufs! T'es quel super-héros d'abord? Oh mon dieu, la mission! Mes copains super-héros, j'avais complètement oublié! Arrière, tentatrice! Le moustique sait ce que vous essayez de faire! Mais de quoi tu parles, petit? Les filles du Reza sont la kryptonite du moustique! Il faut que tu me sortes d'ici! D'accord, voilà l'addition alors! Ah, sûrement pas! Vous avez essayé de m'ensorceler, je ne paierai pas!
Tu dois laisser un pourboire, merde. Il va falloir qu'on se batte pour partir. Allons-y. Ok. Devinez quoi, les poufs? Le moustique va venir avec nous. Pas question. Tu vois, monsieur moustique, on t'a dit que tous les autres ici, c'était des losers. Et en voilà, des losers. Je peux pas partir, j'ai commandé une cruche de citronnade. Et merde. Bienvenue dans l'équipe, mais va falloir refaire ta garde-robe. Faut sortir le moustique de là, il est ensorcelé. Sérieusement, les mecs, les ailes sont vraiment bien. Oh, bordel, Clyde, je vais te ramener à la raison à coup de poing. Joli coup, trésor. Alors, en détail, oui. Quelle puissance. Maintiens le 2 pour passer en mode inspection. Sélectionne le moustique. Session sera bien indiquée. Appuie sur croix pour en savoir plus. C'est là que figurent les effets d'ensorcellement et sa durée. Un tour restant. Avec ma super vitesse, je pourrais les ratatiner en un claquement de doigts. Allez! Là, on me voit. Ah, ouh, petit! Trésor! Ok, voyons ce que tu sais faire, le nouveau. Joli coup! Nickel! Regardez ça se développer comme un marathon de série télé. Eh ouais, je suis rapide. N'aie pas peur, c'est le volant est là! Toi, on te protège. J'attends la commande! Oh mon dieu, j'ai écaillé mon vernis à ongles. Quand on vous aura cassé la gueule, ça vous dirait un calendrier? Seigneur, non. T'as trop la tête dans les nuages. Putain, le moustique il est avec eux, putain. Ne touchez pas à l'amour de ma vie, les mecs. Jouons avec les lois de la physique. Guéri en 3 dixièmes de seconde pour rembourser. Hey. Tiens, ça va le faire. Ensuite. Annulé, le nouveau. Et une de moins. Le coup des amandes pour toujours. Regarde hein. Ta montre, le crime, c'est l'heure du cerf-volant. Qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, vas-y, je te protège, toi. Et voilà, mec. C'est exactement ce qu'il me fallait, merci. Voilà, parce que lui, il est assez squishy, il a pas beaucoup de PV. Hey, trésor, j'espère que vous passez un bon moment. En fait, je m'en fous. Ça va, homme cerf-volant? Alors, Quickie, je ne sais pas ce que c'est son ultime. Non, tu vas te griller pour ça. Alors, les mecs, vous vous amusez bien? Oh purée, il se fait ensorceler cet abruti. Je me sens tout excité. Vous êtes jaloux de mon aventure romantique. Quickie est dans les starting blocks. Foule tous les ennemis du même rangée et applique combustion. Ouais, bah ça sert un peu à rien là. Je vois une rediffusion. Fous-leur sur la gueule. Oh là, ils vont tout prendre combustion dans la gueule. Ultime. Là, ça va faire mal. N'approchez pas de mes copines. Eh ouais. Ressens la colère de non-cerf-volant. On est bien placé. Elles sont vraiment trop nazes en fait. Prenez la raclée à l'ancienne servie froide. Yes. J'aurais jamais cru que cramer pouvait faire si mal. J'arrive même pas à penser aux ailes de poulet piquante là. Ruezika, trouvez-vous votre propre âme sœur. Bon, autant finir vite.
Allez. Yeah. C'est le moment où Easy les Mooney. Gens regrettent leur choix. Et aucun mort. Voilà notre chance. Ce fils au ma kryptonite, t'es arrivé juste à temps pour me sauver. Je t'en serai éternellement reconnaissant. Trude, héros. Et toi, c'est quoi ta kryptonite? Tu peux pas être un super-héros sans avoir un truc contre lequel t'es impuissant. T'as une phobie en particulier? Un complexe? Je sais pas. Bah, allez, il y a forcément quelque chose. Écoute, c'est bon, on est dans le même camp, truc. Tu peux me le dire. D'accord, d'accord, fais voir ta fiche de perso. La sixième, ma phobie, les filles du raisin, le chaotique, les vieux, les ninjas, les vampires, les hommes crabes. Prends ton temps, c'est une décision importante qui te suivra toute ta vie, jusqu'à ce que tu changes d'avis. Les vieux, pour déconner, on peut mettre, mais bon. Allez, pour déconner, on va mettre les vieillards. Ouais, les vieux sont dégueux avec leur ride et leur sagesse, ça marche. Super, c'est fait, ta kryptonite est indiquée maintenant. Bon, le moustique doit filer, appelle-moi si t'as besoin de moi, copain du coude. Nickel, tu peux utiliser l'appli allié de ton équipe. Ok, je appuie sur L pour sélectionner l'ennemi à retirer, croix. Super Craig. Ok. Trudette, tu t'en sors bien. Il se passe des trucs d'enfer niveau fiche de perso. Bon, j'ai une super mission secrète pour toi. Fais un saut à la nouvelle taqueria sur Main Street et prends-moi des tacos. Cone, termine. Donc en allié, j'ai mis Super Craig. Vous êtes un mineur et vous approchez de substances réglementées. Éloignez-vous de la porte, vous serez abattu. Et pas casse-couille le mec, hein. Donc faut aller où? Le truc de tacos, c'est l'autre côté. Attends. Ah, on peut pas passer par en bas. Va falloir qu'on se barre par la petite rue. Bon. Et après, bah, il faut avancer jusqu'à temps de tomber dessus, ce truc. Maîtrise tous les titres des fiches de perso. Ok. Trouve le suspect. Ah oui, on avait la mission des flics. T'aurais jamais dû venir ici, super crétin. Donc ça, les flics, on fera plus tard. Freeman Tacos. Ah putain, ah, c'est pas mal. Ah, c'est délire. Bienvenue au Freeman Tacos. S'il y a quoi que ce soit qui t'intéresse, dis-le-moi. Bienvenue à Freeman Tacos. J'adore cet endroit car on peut y créer tous les aliments qu'on veut. C'est l'extase, tu peux créer ce que tu veux. Ah, peux-tu lire dans mon esprit? Oh, c'est hardcore. Ah, vas-y, je démoule mon cake, moi. On a lâché le Timoul. Ah, viens la Freeman. Bienvenue aux tacos de Freeman. Notre menu du jour, c'est les tacos. Peut-être que quand tu te seras amélioré, Morgan Freeman fera un selfie avec toi. Ok. Le Freeman's Tacos est un espace de créativité.
La créativité, tu sais ce que c'est, hein? Ouvre le menu de création pour commencer. Tu peux combiner les aliments comme tu veux. Commençons par un classique, un burrito, une tortilla chaude enveloppant un reste traînant dans le frigo. Je vais te donner ce qu'il te faut pour commencer. Il est marqué ici combien de nourriture il faut pour remplir cette tortilla. Maintenant, prépare le tout. Bien joué, petit. Maintenant que tu as eu un avant-goût de la création, continuons. Ok. Tu peux combiner les aliments à ta guise. Fais-toi la main en combinant un burrito et une enchilada. Et vois ce que ça donne. Félicitations, le nouveau. Avec une enchilada et un burrito, tu as créé un enchirito. C'est la première fois que quelqu'un réussit ça. Et au diable l'avarice, voilà d'autres recettes. Elles pourront un jour sauver tes fesses. Recueil de recettes de création. Oula. Guidon de vélo. Et une dernière chose. On raconte que certains pets sont si puissants qu'ils peuvent courber la matrice du temps. Fais attention à toi. T'inquiète pas, mais moi mes pets ils sont sacrés. Il y a la mairie là-bas. Allez, on se tape la mairie. On va rentrer, oui, quand les marchés se seront effondrés. Voilà, plus 15. Morgan Freeman, ça a été fait. Ces méchants super-héros s'en sont pris aux mauvaises filles. Oh, oh non, les méchants s'enfuient. C'est pour toutes les filles du raisin. Voilà, je vous fais gerber. Bien fait pour ta gueule, ma coquine. C'est une grosse erreur de s'en prendre au coude et à sa bande. Lâche-toi, nouveau. Je vais vous montrer d'où vient le double choc de nos ailes de poulet double choc. Tu vas pouvoir compter tes sutures. Ike ? Tu vas te brûler si tu continues. Voilà, dégage. Il y en a une de moins. Une raclée ? J'envoie la commande tout de suite. À moins qu'on va faire un laser là-bas. Ah, ça la tue ! À qui le tour ? On les one shot ! Je vais te donner le genre de... Que personne poste une photo de moi sur Instagram. T'inquiète pas, ça sera fait quand même. J'en ai plus rien à battre. Ouais, je m'y attendais. Tiens-toi ! Ça te fera une belle cicatrice. Je vais pas me retenir. Va chier. Eh oui. Hashtag trop mortel. C'est ce que tu crois. Super boost. Ensuite, à moi de jouer. Elle va lui, on va lui faire un fuck. J'ai un truc pour toi. Oh, ça c'est un coup bas, Lego. À toi, cul dentaire. Aïe. Ça marche. Il est temps de bouger. On va alterner la place. C'est oh mieux. Oui, je crois que je sens un courant ascendant. Prévision météo, forte chance d'attaque de Saint-Valent. Et moi qui trouvais les cerfs-volants nuls. Ravi d'avoir fait changer d'avis, Super Craig. Qui t'a dit que j'avais changé d'avis? Méga coup de poing. Aïe.
Oh, belle agressivité, vraiment, continue comme ça. Et elle est morte. Félicitations, super ami. Les points peuvent régler tous les problèmes. Nickel. $25 gratos. Elles étaient hyper nulles, hein. Les moustiques et une grosse racure à deux balles. Mince, je m'en veux du coup, mais ça rend qu'une bise. Donc on va aller à la mairie. Ouais, la mairie. À l'église d'abord. Pour voir ce qu'il y a maintenant. Là, on a accroché la photo du mec. Là-bas, il y a un sac, là. Là, il y a un sac. Faudrait voir comment je peux aller là-bas. Donc, l'église, elle est à côté. Comment dire? À côté des keufs. Les keufs, faudra que je fasse leur mission. On ira la prochaine fois. Un antidote consommable, ok. Ah, là-bas, on peut péter la. Voilà. Un que. Triple barre énergétique aux fibres de. De verre. De fer. Bonjour, le nouveau. Je ne t'avais pas encore rencontré, mais tu arrives au bon moment. South Park sombre dans la décadence. On vole nos chats, il y a des guirlandes de PQ. D'accord, ce n'est peut-être pas encore l'apocalypse, mais nous avons besoin d'un héros. Je vais y aller franchement. Tu te vois comme quelqu'un de bien? Oui, je comprends ton hésitation, mais il est un moment où il faut choisir sa voie. Veux-tu trouver Jésus et prendre le bon chemin? Ou prendre le chemin neutre? Ne parlons même pas du troisième. J'espère que tu fais partie de la solution, pas du problème. Mon enfant, fais le premier pas et entre dans cette chambre de méditation, où tu affronteras tes plus grandes peurs. Affronte tes peurs, nouvel enfant. Affronte tes peurs. Ton père, baiser ta mère. T'as peur du noir, des serpents, de la couleur bleue? Ah, salut. Je suis dans ton imagination. Un simple et gentil prêtre catholique qui aimerait te connaître un peu mieux. Ouais, c'est vrai, je suis dans ton imagination, moi aussi, pour te masser les épaules. Imagine que tu ressentes quelque chose comme ça. Je vais régler la lumière pour qu'on puisse faire quelques photos avec. Oh non. C'est quoi? Non mais je suis désolé, mais dans chaque jeu, que ce soit Outlast ou quelque chose... Je sais pas, les trucs qui provenent Dieu sont toujours des gros pervers. Des sadiques, des enfoirés. Je crois que celui-là aime qu'on le malmène. Moi, ça me va. Je suis désolé, mais c'est toujours comme ça. Hein. Ces ennemis, tu... Non, mais ça, je comprends, après, je connais. J'ai l'amour du Seigneur en moi. À qui vais-je le transmettre? Oh putain. Cache-cache, hein? J'ai droit à un bisou si je te trouve. Ouah, ce prêtre adore les enfants. T'as pas envie qu'il te fasse un câlin? T'aurais vraiment besoin d'une serviette pour le coup. Oh, ce que j'aime ça. Oh my god. Hey, enfant de Dieu, viens, on va jouer. Les mecs sont pas hardcore quand même. Ah oui, il s'est relevé. Ah, Seigneur. Tous les enfants de Dieu méritent son amour. Alors pas bouger. Parce que il s'est évanoui. Oh, 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 oh.
Allez. Et un de mort. En fait, ils sont vraiment pourris. Comme tu sais, ils attaquent à l'avance. En fait, les mecs sont énormément moisis, en fait. Hein. Oh, fesse-moi. Oh oui. J'ai l'amour du Seigneur en moi. À qui vais-je le transmettre? Bah, à personne. Parce que je vais te démonter ta putain de rose. Eh, va au diable. Les tenues célestes. Ils sont sérieux là? C'est pas vrai! Je peux pas laisser un gamin dans le noir deux minutes sans que vous rappliquiez! Vous êtes mûr pour l'enfer! Maintenant, fichez le camp! D'accord, je vais aller voir si des cierges ont coulé. Et moi j'ai des goupillons à astiquer. Fichtre! Je me sens trop mal du coup. Tu sais quoi? Un ami rabbin m'a donné cette œuvre d'art en nouilles. Si la vie te met à l'épreuve, serre-t'en pour appeler le prophète Moïse. Bon courage pour ton apprentissage spirituel, mon enfant. Œuvre d'art en nouilles, Moïse, Seigneur Tout-Puissant. Tu as reçu ta première invocation, accède au menu objet en cours de combat et utilise l'œuvre. Ok. Ok. Ah, attendez, il y a le petit chat qui arrive. Qui miaule, je reviens. Voilà. Alors. On peut rien ouvrir ici? Interagir. Oh, une araignée. Ouais. Agenouillez-vous devant Jésus. Ok. Sainte Bible. À genoux. Devant Jésus. Voilà. Je te choisis. C'est vraiment hardcore quand même. Amulette de la contemplation, un artefact. Oh! Tu rappelles quand Morgan Freeman était Dieu? Ah ouais, je me souviens. Tu rappelles quand les chrétiens s'occupaient des pauvres et des malades? Sûr, je me rappelle. Ok. Ah, là y'a un truc, non? Antidote. Allez, un nouvel antidote. Tu t'en sors bien jusqu'ici, le nouveau. Regagne le repère du Cône, je pense qu'on peut avancer sur ton perso. Cône, terminé. Encore désolé pour ce qui est... Je vais finir... Ok, donc on va se TP au repère du Cône, parce que logiquement, on a une TP. Et puis... Allez, on va parler au Cône, quand même. On va lui parler. Et puis comme ça, au moins, il sera content, j'ai envie de dire. Faut juste trouver une TP... Une TP, il y en a juste une vers l'école, donc on va aller vers l'école. Comme ça, au moins c'est fait. On se TP vers le repère du coup. On va utiliser pour la première fois la TP. C'est surtout ça. Si on l'a pas encore utilisé depuis qu'on joue, les amis. Donc, je sais pas s'il y a un succès avec. Enfin, une sorte de trophée ou de je sais pas quoi. Interagir. Je suis le plus rapide de la ville. Il n'y en a pas un vers Cartman là, voilà le repère du coup. Maison de Cartman, là. C'est super. A plus, de nouveau. Appelle-moi si t'as besoin d'aller quelque part très vite. Allez. On va parler à Cartman pour voir ce qu'il nous parle pour le costume, je sais pas quoi. Et puis on va se laisser là. Hein. Je peux pas attendre.
pique-nique. Ta mère. Cartman, je suis là. Ah, le nouveau. Assieds-toi. Et si je me mets encore vers l'autre place, il va dire pignouf. Pas là. Pas là non plus. Moi, je t'y aime bien s'asseoir là. Ok. Bien, alors, comment ça se passe sur le terrain? Dak, bien parlé. Bon, alors écoute, je pense que tu as du potentiel, et ben, je vais te nommer acolyte ou un truc du genre. Félicitations. Je voulais juste te parler un peu de ton perso super-héroïque. Comment dire, ton perso est pourri, pour être franc. Et je crois que je vais te laisser choisir une seconde classe. Voyons quelle aptitude te conviendrait. Alors, quel type de compétences aimerais-tu ajouter à ton arsenal? Wow! On peut remodifier encore? On brutaliste va... Élémentaliste. Élémentaliste, la tempête menace toujours quand un élémentaliste est dans les parages, foudroie et congèle des adversaires. Dope tes alliés tout en veillant à garder un taux d'humidité ambiance à 40%. Cyborg. Cyborg, le premier objectif du cyborg est de botter les fesses par la maîtrise du champ de bataille en attirant les adversaires au soi ou les repoussant. Télépathe. Les infos pub nocturnes ont l'armée l'esprit télépathe et confèrent le pouvoir bon de fortifier. Pour toi, tu dois être super excité. De fortifier les coéquipiers et faiblir tes ennemis. Élémentaliste. Élémentaliste me plaît énormément, donc on va partir sur l'élémentaliste. Ah, un élémentaliste comme Tornade et Capitaine Planète peut-être. Ah, il a l'air d'être excellent. Ah ouais, les zones d'attaque sont pas mal. Cyborg. Ah, on voit les costumes à l'avance. Un cyborg, t'es fétichiste des robots? C'est cool. Un super-héros doit savoir prendre des décisions. Le premier objectif du cyborg est de botter les fesses par la maîtrise du champ de bataille, en attirant les ennemis à soi ou en les repoussant, ouais. Un télépathe, comme le professeur X. Et télépathe, ses infos, nanana, lui conférant le pouvoir de fortifier les coéquipiers ou d'affaiblir les ennemis. Ok, lui c'est plutôt un... Il met des boosts et des nerfs, en gros. Cyborg. Élémentaliste. Ouais, élémentaliste me plaît énormément. C'est un moment important. Ah, un élémentaliste comme Tornade et Capitaine Planète, peut-être. Allez. Ok, je pense que ces deux-là pourraient bien matcher. Mais maintenant, il va falloir changer aussi tes origines. Alors, revenons à cette nuit fatidique de ta petite enfance. Cette nuit-là, donc, tu n'arrives pas à dormir. Et si tu ne trouves pas le sommeil, c'est parce que tu veux faire du monde un endroit plus sûr. Tu t'approches du miroir. Tu te regardes dans le miroir et tu te demandes si on t'aimera un jour. Et puis, tu entends un bruit, les pleurs d'un bébé. Là, dans le couloir, tu vois deux mecs s'en prendre à un bébé sans défense, à même le sol. Tu veux les empêcher de faire du mal à ce bébé, hein? Tu sais que tu peux les arrêter, et tu as donc recours à ton tout nouveau pouvoir. Ok. Il est temps de piéger ces imbéciles, et tu commences par les coincer dans une prison de glace. Nice, c'est classe. Bloqué par le froid, l'affreux vilain est obligé de passer son tour. Hey, tu peux pas piquer le tour d'un mec comme ça. Ouais, tu te prends pour qui, hein? Les intrus approchent, mais ils ignorent qu'ils se sont idéalement placés pour un piège de sable. Sabak Sourso! Je crois que ce gamin a une sorte de pouvoir sur la glace et la terre. Impossible. Tout est bien. Profite pour te soigner et concentrer tes pouvoirs. Purifie et soigne et confère une attaque boostée à toi ou un allié. Ah bah ouais, c'est ce que je fais. Ah ouais, d'accord, il veut que je me mette là. Ok. Je comprends mieux. Je crois que je vais me mettre là. Oh mec, je vais enfin pouvoir lyncher ce foutu mioche. Concentré, tu n'as aucun mal à esquiver, et tu prépares ton attaque ultime. Invoquant les pouvoirs de la glace, de l'eau, de la foudre et de la terre, tu balances aux intrus une attaque élémentale. Yeah!
Oh, je suis choqué. On les a bien niqués en fait. Il est énorme ce pouvoir. Ouais ouais, on s'en fout, d'accord. Tu leur fais mordre la poussière, tu prends le bébé dans tes bras pour le mettre à l'abri et c'est là que l'impensable se produit. Tu vois ton père baiser ta mère. Et depuis ce jour, tu dois vivre avec l'idée que, trop occupé à sauver un bébé en détresse, tu n'as pas pu empêcher ta mère de se faire baiser par ton père. C'est dur à accepter ça, putain. Je suis vraiment navré. Je sais, tu as sûrement envie de savoir pourquoi. Pourquoi ton père a sauté ta mère, mais ça, tu vas devoir le découvrir par toi-même. Le coup des savants d'alerte. Le coup des savants d'alerte. Sérieux les gars, il y a une alerte là. C'est une alerte du coup des savants. Ici le coup, qu'est-ce qui se passe? C'est les bottes de la liberté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rendez-vous dans la rue principale, vite. On arrive. Coon, terminé. Eh bien, le nouveau, je crois que tu vas avoir besoin de ces nouveaux pouvoirs. Suis-moi. Tu disposes de 4 emplacements où attribuer les pouvoirs. Utilise L pour sélectionner un pouvoir à remplacer, puis appuie sur croix. Ok, donc imaginons on veut retirer celui-là. On choisit un des pouvoirs d'élémentaliste. Bah, je dirais la... prison de glace pour tester. Après, on va équiper les pouvoirs, appuie sur machin pour quitter. Ok. Ok. Bon bah les amis, je crois que... on va se laisser là. N'hésitez pas à commenter, à liker et vous abonner. Et on a eu de nouveaux pouvoirs, c'est juste énorme. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine. Ciao, ciao, Mina.